Le Bayern Munich a fait un carton et a gagné 9 à 2, avec un quadruplé de Harry Kane, dont un triplé sur penalty. Les joueurs de Kompany ont montré une attaque monstrueuse, mais qui a failli se faire égaliser à 3-3, mais ont pu compter sur un bon gardien qui a sauvé ses cages. Après cette alerte, les Allemands ont lâché les chevaux et ont marqué 6 buts en peu de temps. Les Bavarois ont déjà montré la voie et surtout ils prennent une option avec la différence de but. Le Real Madrid a fait un match très moyen. Il s'est basé que sur les individualités de chaque joueur. Les attaquants n'arrivaient pas à se trouver et rataient souvent la dernière passe. Ou décidèrent de frapper, au lieu de passer la balle à un coéquipier plus démarqué. Le retour de Bellingham a fait du bien au milieu, mais on sent qu'il est encore limite physiquement. Rodrigo était le meilleur attaquant des trois. Mbappé était beaucoup plus mobile et a énormément tenté, et Vinicius n'arrive toujours pas à revenir à sa forme d'avant. Il n'arrive absolument pas à combiner avec Kylian. La défense était aux abois, et doit remercier les attaquants allemands qui étaient très maladroits, et surtout remercier Courtois qui a sorti un grand match. Le jeune Hendrik a montré qu'il avait un gros caractère en décidant de prendre sa chance et de frapper au but lors de la dernière action au lieu de passer la balle à Vinicius ou à Kylian Mbappé. Un sacré caractère, et heureusement qu'il a marqué ce but, sinon il aurait pris très cher. Liverpool a fait un grand match sur le terrain du Milan. Et les troupes de Slot ont su revenir au score et prendre l'avantage en jouant un match très solide. La Juventus de Turin a bien entamé sa campagne européenne en s'imposant sur son terrain et en montrant qu'il faudra compter sur eux cette année. Le Paris Saint-Germain a eu chaud sur son terrain face à Gironde. Les Français ont certes mérité de gagner, mais ils ont raté un nombre d'occasions incalculables. L'équipe attaque très bien, mais n'arrive pas à finir ses actions. Dembélé et Barcola ont tellement raté face au but qu'ils doivent s'estimer très heureux qu'ils sortent de ce match gagnant, car sinon ils auraient été beaucoup plus critiqués. Ce qui est inquiétant est que c'était un des matchs les plus faciles sur le papier dans leur parcours. J'espère que ça va les secouer pour être plus sérieux lors des prochains matchs et qu'ils se rendent compte que la Ligue 1 n'a rien à voir avec la Ligue des Champions. Une des surprises de cette phase est le match nul entre Manchester City et l'Inter de Milan. Il faudra se rendre compte que l'Inter est presque la seule équipe européenne qui pose vraiment problème à Manchester City. L'équipe italienne était très solide et a eu des occasions pour marquer, mais la qualité de ses attaquants laisse à désirer. Guardiola a tout tenté mais n'a pas voulu non plus se suicider et ouvrir le jeu car il avait peur des contre-attaques italiennes. Bref, c'est un bon point pour l'Inter et 2 points de perdu pour Manchester City, qui a perdu aussi Kevin De Bruyne, qui est sorti sur blessure à la mi-temps. Le Bayer Leverkusen de Xabi Alonso a fait une belle entrée en lice dans sa campagne européenne en gagnant 4-0 sur le terrain du Feyenoord. Une belle première européenne pour le jeune entraîneur espagnol qui a hâte de confirmer sa belle première saison avec le club allemand. Ils vont probablement bien déranger les grandes équipes avec leur style de jeu qui change au fil du match. L'Atlético de Madrid peut dire merci à Jiménez qui a marqué le but de la victoire à la fin du match et a donné 3 points précieux à son équipe dans cette lutte européenne. L'Atlético n'aura pas un parcours facile, mais pourra compter sur sa vedette Antoine Griezmann qui fait un beau parcours avec les Colchoneros jusqu'à présent. Et bien sûr, on verra ce que va donner Julien Alvarez avec sa nouvelle équipe une fois qu'il sera en rythme. Arsenal d'Arteta a trébuché face à l'Atalanta de Bergame en match d'ouverture. Les coéquipiers de Saka ont fait un match correct, mais on a senti l'absence de Martin Odegaard qui arrive à fluidifier le jeu anglais. Arteta et ses troupes peuvent dire un grand merci à David Raya qui a fait un magnifique double arrêt sur le pénalty des Italiens. Enfin, la grande surprise de cette phase est la défaite du Barça sur le terrain de Monaco. Les joueurs de Flick se sont vus plantés par un Ter Stegen qui était sur courant inconstant et qui a plombé l'équipe à la 10e minute du jeu. Il fait une passe imprécise au milieu du terrain qui oblige Garcia à essayer de récupérer la balle et de faire faute sur Minamino. Donc carton rouge et les Catalans ont dû jouer 80 minutes en infériorité numérique. Un vrai calvaire. Ils ont encaissé un premier but et Lamine Yamal a égalisé, mais à la fin du match, les Monégasques ont bien joué les contres
et ont pu marquer le but de la victoire. Une première défaite officielle de l'équipe de Flick cette année, et ils ont intérêt à se reprendre car ils auront un match plutôt compliqué ce week-end face aux sous-marins jaunes de Villarreal.